Bonjour, je m'appelle Rachel, je suis maghrébine et je suis le nouveau professeur de philosophie. Elle n'est pas venue. Il n'est pas venu. Il et elle m'a dit qu'elle porterait plainte si je continuais à la harceler au téléphone. Ça tombe bien, j'ai une raison pour plus l'appeler au téléphone, puisque elle m'a dit que si j'appelais, il porterait plainte, elle, au téléphone, non, pas au téléphone, elle porterait plainte à la police. Donc, je n'appelle plus. Donc, je téléphone plus. Plus de téléphone. L'inspecteur républicain de la République inspecte dans l'école, dans la classe. Pas l'école, la classe des Jean-Louis 22, 23, 24, Cécile 31, 32, 37, Max 18, 19, 21, 41, Francisco 152, 153. C'est la République. Debout, assis, debout, couché. Faut aller par là, parce que là, s'il y a un problème, voilà, c'est par là qu'il faut aller maintenant. Debout, couché, assis, il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. On est plus en 68, c'est pas la peine de se mettre debout, assis, couché. Attention, debout, assis, couché. Attention, voilà, ça va. Debout, assis, couché. Donc, il n'y a pas de problème. Je suis l'inspecteur, c'est très drôle. L'inspecteur dit, L'inspecteur de la République dit, c'est très drôle. Il téléphone pas, et je ne vais pas chez l'inspecteur, parce que si je vais chez l'inspecteur, c'est un tel site privé, et il a dit, l'inspecteur, comme l'économe, que je le harcelais. Et si je le harcèle, c'est un délit. On n'a pas le droit d'harceler les gens. Par contre, l'inspecteur a le droit d'inspecter. Et il me demande, quelles sont vos méthodes pédagogiques? Et je réponds, la pédagogie, c'est pour quoi faire? Plus personne ne veut travailler. On passe des annonces, personne ne veut travailler. Vous voulez travailler, vous? Non, je ne veux pas travailler. Tu veux travailler? Bon, alors faut travailler. Mais comment on fait pour travailler? Quand on est dans une classe, comment on fait pour faire travailler les enfants s'ils ne veulent pas travailler? Hein? Tu ne veux pas travailler? Oui. Comment on fait dans une classe si les enfants ne veulent pas travailler? Comment on fait? Parce que je veux pas. Bon, d'accord. Et comment on fait pour si tu veux pas? Pour écrire, non? Ah, pour écrire à qui? Des adultes. Pour écrire aux adultes, vous ne voulez pas travailler. Donc les enfants ne veulent pas travailler. Ok. Non. Donc, moi je suis prof de philosophie, je suis maghrébine, je m'appelle Rachel, et je vous dis qu'il faut travailler. Vous me dites que vous ne voulez pas travailler. Alors moi je suggère que les enfants, ils fassent de la peinture. Qui veut travailler? Qui c'est qui veut travailler là? Vous voulez travailler? Oui. Oui, à quoi? Tu veux travailler à quoi? Non, mais au foot. On va travailler au foot. Tu veux devenir foot, toi? Bon. Footballeur. Aïe, aïe, aïe. Bon. Donc, je dis à l'inspecteur, ils ne veulent pas travailler, donc il n'y a plus de méthode pédagogique. La pédagogie, c'est fait pour travailler. Et comme plus personne ne veut travailler, on fait plus de pédagogie. On fait grève. On fait grève. Non, la grève, alors oui, on fait grève. Mais dans ce cas-là, donc, je propose que désormais, il y aura des cours de banderoles, des cours de machin, comment on travaille à la presse, des cours, comment on fait les banderoles. De 8h jusqu'à midi 30. Jusqu'à midi 30. Oui, okay. Vous nous ouvrez la graille. Pardon? Vous nous ouvrez la graille. D'accord, la graille. Okay. Ramenez demain. Alors, je dis à l'inspecteur, désormais, il y aura cours de banderoles à midi 30 et il faut apporter à manger. Et vous voulez manger quoi? Des frites. Des frites. Ok. Alors, des grecs, des frites. Et vous ne téléphonez pas. Parce que si on téléphone, c'est défendu de téléphoner. Au bout de 25 fois, c'est harcèlement téléphonique. Crac! Tout le monde va en prison. Il est là. Oui.
Voilà, je te dis. Donc on va pas en prison. C'est où? C'est où? C'est ici. Maintenant, l'école, elle sera dehors. On met toutes les tables dehors, d'accord? Oui, parce okay. que dehors, c'est mieux. Parce que dedans, c'est enfermé, et dedans, c'est angoissant. Oui, dehors, c'est bien, dehors, on est d'accord. On va avoir... Il y a des meufs. Alors, en tant que professeur de pédagogie, oui. désormais, on fait venir des femmes. Des femmes partout. Dans l'école, partout des femmes. Des femmes à droite, des femmes à gauche, partout, il y a des femmes. Voilà, oui, mais partout. C'est blanche. Oui, des blanches. Des blanches. Non, 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 la République, c'est l'égalité. Donc, il faut des blanches, il faut un quota de blanches, un quota de bretonnes, un quota de juives, un quota de crypto-palestiniens. Vive la Palestine, vive la Judéo-Palestine. Voilà. Et vive la France. Et vive la France. Voilà. Vive la France. Et vive la Roumanie. Et vive la Roumanie. Oui. 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 Vive la Roumanie. Vive la Roumanie. Oui. Vive la Roumanie. Voilà, voilà. Il y a un Gorlou par le ski. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Monsieur, merci. Il y a aussi des voix. Au revoir.